Yo les gens, c'est Fer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui assez tôt pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière puisque c'est un coup de gueule qu'on a envie de passer puisque oui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Valentin. Comment ça va l'ami ? Salut à tous et salut Max, comment vas-tu toi ? Écoute, ça va nickel et donc vous le verrez tout au long de cette vidéo. Pas de montage, on fait ça en one shot, on voulait prendre la parole pour quelques trucs qui nous ont un petit peu dérangés par rapport à des choses qui ont entouré tout simplement l'annonce de Assassin's Creed Shadows hier soir au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez le jour J, donc concernant à la fois les collectors mais également le personnage de Yasuke, et donc sans plus tarder, je vous mets l'intro et on se retrouve juste après pour le vif du sujet. Et voilà, du coup, comme je vous le disais, premier sujet, si ça te dérange pas, Val, qu'on va aborder pour ce coup de gueule, l'édition collector. L'édition collector, puisque oui, en effet, pour ce Assassin's Creed Shadows, on va essayer de ne pas dire Codename Red, il y a plusieurs éditions. C'est dur. Je vais essayer de pas trop faire d'erreur. Donc, 4 éditions différentes, on va pas compter celle avec le Ubisoft Plus, puisque ça ne nous intéresse pas forcément. Mais on retrouve l'édition standard avec le jeu de base, les bonus de précommande, à 69,99€. L'édition Gold, qui elle est à 109,99€ avec le Season Pass inclus et 3 jours d'Early Access. Donc déjà, à partir de là, on peut voir qu'il y a une certaine augmentation au niveau des tarifs, puisque... Je sais pas si tu t'en rappelles Val, mais à l'époque c'était plus 90€. Ouais, c'était moins cher que ça. C'est ça, ça fait une sacrée augmentation de prix, sachant que le jeu de base, je sais pas si t'as vu, mais il est à 69,99€, là où les gens en général maintenant se vendent à 80€. Donc d'un côté, on a le jeu de base qui pèse de prix, et de l'autre, eh ben, on a tout simplement l'édition collector qui, elle, enfin l'édition collector, l'édition gold, qui elle augmente énormément, et ça, ça fait chier, mais ce n'est pas tout, puisque on continue, on a l'édition ultime qui, elle, est à 129,99€, donc là encore une fois, une augmentation de prix, ça fait un petit mal au cul, là où à l'époque on avait des éditions avec des figurines. Pour 119,99€, puisque tu avais le droit au moins 20% du Ubisoft Connect, là où on n'a absolument plus le droit à ces moins 20%, étant donné qu'on a une autre édition qui, elle, est une édition collector haut de gamme, entre guillemets. Bon, on va faire semblant de jouer le jeu. Val, devine, elle est à combien cette édition collector ? 450 000€. Ouais, presque. Non, on est à 279,90€ pour cette édition collector, ce qui est tout simplement énorme. C'est énorme, c'est abusé. Alors certes, on a du contenu dessus, hein, vous le voyez à l'écran. On a une figurine de 40 cm, on a un steelbook, on a un petit parchemin pour mettre au mur, on a le season pass qui est inclus, un petit artbook. Bref, on a quelques contenus quand même à se mettre sous la main en physique. Ça fait quand même 140€ de plus que l'édition ultime, puisqu'on retrouve tous les bonus de l'édition ultime. Donc tu payes 140€ de plus pour ça, ce qui est déjà pas donné du tout. Ouais. Tout ça pour avoir une figurine qui, je le suis sûr, sera un petit peu en toc comme celle de Mirage. Après, contredis-moi Val, si jamais tu ne me rejoins pas à ce niveau-là. J'avais bien aimé celle de Mirage. Alors oui, le socle était un peu cheap. En tout cas, là, le diorama qui est présenté, il a l'air super big, hein. Il a l'air assez stylé quand même. Hein. Bah, 40 cm de hauteur. 40 cm de hauteur pour ce diorama. Après, est-ce que ça justifie le prix enfin, je trouve ça un peu beaucoup, sachant que l'édition collector d'Assassin's Creed Mirage, comme tu l'as dit juste avant, elle était dispo à 150€, moins 20% sur le store Ubisoft. Avec l'édition d'Assassin's Creed Valhalla, donc en 2022. Ouais, 2020. Était, elle a 190€ moins les 20% toujours. Ouais, ça, 190 là, ou 200. On a plus et moins 20% parce que Ubisoft a tout simplement arrêté de faire des collectors et des collectibles sur son site de vente. C'est ça, ce qui fait quasiment, mine de rien, un x2 presque. Hein. Donc ça pique. Et la douche froide ne s'arrête pas là. Il y aurait eu que ça à la limite, on n'aurait pas fait de vidéo coup de gueule. Mais là où on fait un coup de gueule, c'est que les éditions collector sont, de par le fait qu'elle soit collector, assez limitée, puisque t'en as pas un nombre incalculable. Et donc habituellement, on pouvait tous l'acheter parce qu'on était tous égaux, on pouvait tous la prendre sur l'Ubisoft Store, et là, touche froide, on la cherche, elle n'est absolument pas présente sur l'Ubisoft Store, puisque bah, vous voyez tout simplement à l'écran, c'est indiqué, on a vraiment que les éditions de base. Si on veut mettre la main sur une édition collector avec la figurine, il faut se rendre sur Micromania, et encore, ce n'est pas communiqué directement, mais il faut se rendre sur Micromania. On voit qu'elle est à 279,99€. Bref, là, rien de choquant à ce niveau-là. Mais si on clique sur « Je précommande », vous le voyez, rejoignez la communauté, donc ça, il faut que tu crées un compte, etc. Et une fois que tu as créé tout ça, on te demande d'être membre premium de Micromania. C'est du foutage de gueule, ça veut dire que tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. Val, qu'est-ce que ce membre premium pour Micromania ? Alors, il faut acheter, alors je sais plus combien c'est exactement, 8. Mais je crois c'est combien ? 400€ de jeu, je crois. Ouais, alors pas autant, mais en gros, c'est 8 fois 23,99€ au minimum. D'accord. Donc, je vais faire le calcul. Donc, en tout, il faut débourser près de 400 boules. C'est ça. Pour avoir le droit de commander ton édition collector. On rappelle encore une fois qu'à l'époque, tout le monde pouvait se procurer l'édition collector. Pour un prix, alors certes, 150€, c'est pas donné, mais c'est pas non plus abusé comme là, de 280, même si
Il y a du contenu, hein, même si la figurine est quand même vachement belle. Mais à l'époque, c'était quand même moins cher que ça, et surtout accessible à tout le monde. Et moi, je sais pas vous, mais ça me manque l'époque où chaque joueur et chaque fan d'Assassin's Creed pouvait acheter un petit bout de sa licence préférée et la mettre sur son étagère. Vous le voyez derrière moi, j'ai plein de figous. Ouais, c'est ça. Et plein d'éditions collector différentes. Et c'est des figurines qui étaient des éditions qui étaient pour le coup accessibles. Aujourd'hui, il faut débourser des centaines d'euros pour avoir un collector. Voire des milliers. Ou pour avoir une figurine premium, parce que maintenant il n'y a même plus de figurines basiques, c'est que des figurines premium à minimum 500, 600, 700, 800, voire même 900 euros si tu comptes les frais d'import, quoi. Ça fait, comme le disait Val, presque 400 voire 500 euros au global entre l'édition collector et les jeux achetés pour pouvoir mettre la main sur cette putain d'édition. C'est ahurissant, apparemment, d'après ce que les gens disent sur internet, c'est pour faire face aux scalpers, etc. Mais quand bien même, premier sujet clos, pour le deuxième sujet, je vais plus laisser la parole à Val, puisque c'est plus un truc qui lui tient à cœur à lui, donc je vais le laisser prendre la parole, à toi la parole Val. Alors là pour le coup, on a eu le premier trailer cinématique en CGI qui a été dévoilé. Alors, trailer pour moi en demi-teinte, j'avoue, il y a du bon et du moins bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter de tout ça dans de prochaines vidéos un peu plus en détail. En tout cas, en ce qui concerne le CGI en lui-même, je le trouve à mon goût un petit peu trop bourrin, je trouve que le jeu fait un peu trop guerrier, alors faut pas oublier que ça s'appelle Assassin's Creed, que le précédent c'était Assassin's Creed Mirage qui mettait vraiment l'accent sur le côté assassin, sur le côté confrérie, donc je m'attendais moi à un truc un peu plus Assassin's Creed. Alors en l'occurrence, on aura deux personnages, on aura Naoe, c'est le premier personnage qui est vraiment entraîné dans l'art de s'infiltrer, dans l'art de la discrétion, c'est un personnage qui sera très agile, etc. Donc ça colle plus à l'image de ce qu'on a en droit de se donner d'Assassin's Creed, vraiment la discrétion, l'infiltration, l'assassinat, etc. Et à côté de ça, on a Yasuke, qui est donc le côté un peu plus bourrin et guerrier du jeu, puisque c'est un samouraï. Et à mon sens, je trouve que le trailer fait un peu trop bourrin, l'accent est vraiment mis surtout sur l'aspect combat, sur l'aspect bourrinage, et finalement assez peu sur le côté assassin, Assassin's Creed, à proprement parler. Alors, je sais bien qu'il faut un petit peu des deux pour que le jeu se vende, hein. Les fans d'Assassin's Creed, on est de plus en plus minoritaires aujourd'hui, donc forcément, il faut un peu d'Assassin's Creed avec le personnage de Naoe, et il faut un petit peu plus de trucs bourrins avec le personnage de Yasuke. En tout cas, moi, pour ma part, je sais pas toi ce que t'en penses, je suis un petit peu en demi-teinte. Voilà, il y a un petit côté de moi qui me dit « Ah, c'est cool, on a vraiment du Assassin's Creed avec Naoe, encore que... » J'ai encore quelques réserves sur la tenue, sur l'équipement, etc. Mais ouais, pour le coup, Yasuke, ce côté-là m'a un petit peu refroidi, tu vois. C'est vraiment... je pense même pas qu'il aura de l'âme secrète, ce perso. Je pense qu'il sera juste là pour bourriner et pour plaire un petit peu aux gens qui aiment bien les jeux de combat, qui aiment bien les jeux de baston, ça, etc. Je pense que c'est pour faire vraiment le juste milieu entre ce qu'on avait avant avec les assassins, ouais, et le côté Odyssée Valhalla qui a vraiment plu aux gens. De toute façon, on le ressent. On a vraiment un trailer CGI centré assassin quand c'est Naoe qui a l'écran. Mais dès que c'est Yasuke, on a l'impression de voir le trailer CGI qu'il y avait eu avec Assassin's Creed Valhalla, à savoir, t'es un viking, ouais, tu vas démonter des gens. Bah là, t'es un samouraï et tu vas démonter des gens. En gros. Après, nul doute que ça plaise aux gens, parce qu'on le sait, hein, les fans d'Assassin's Creed Hardcore aujourd'hui, on n'est pas forcément la cible de tout ça. Bon, en tout cas, c'était les deux coups de gueule qu'on voulait passer. D'un côté, pour le collector qui est intro à l'instant T, en tout cas au moment où on vous tourne cette vidéo, ça se trouve, ça va évoluer et ça sera disponible sur d'autres stores à l'instant T. C'est comme ça, et comme le disait Val, que vous voyez à l'écran actuellement, eh bien le côté trop bourrin peut-être de Yasuke qui fait un petit peu mal à mon Assassin's Creed, enfin à son Assassin's Creed, à voir comment ça sera le jour de sa sortie. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour cette vidéo. Bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux, et à commenter, on serait très intéressés de vous répondre et de vous lire dans l'espace commentaire, bien sûr, soyez respectueux, chacun peut donner son avis. C'était First Eval en direct de la Assassin's Creed Experience. Ciao tout le monde.